Il y avait simplement un hôtel qui était l'hôtel des bonnes choses qui existe toujours sur la place. En haut, c'est tout. C'est vrai. Donc, les quelques surréalistes qui rejoignaient Breton en été. Breton venait là à peu près, disons, parfois de la mi-juin à la mi-septembre, au maximum. Et pendant l'été, donc, différents membres du groupe rejoignaient Saint-Cyr. Il y avait une espèce de renouvellement permanent, comme ça. Il y avait toujours, disons, 10 à 12 personnes à Saint-Cyr. Nous logions chez l'habitant, puisqu'il n'y avait pas d'autre façon de trouver des chambres. C'était d'une certaine façon l'extension de nos activités parisiennes, plus une activité de jeu, de recherche d'agates sur les plages du Lot, de la liberté, et donc c'est un facteur d'anarchie. Donc toute société attend à réprimer le désir. Donc il faudra toujours, quoi qu'il en soit, réaffirmer la volonté libertaire du poème. Donc là aussi, mais voyez ici, alors ça c'est encore une nouvelle pierre, soi-disant il détestait le jazz, mais visiblement le bebop, là, il faut imaginer quelqu'un en mouvement, alors qu'il était profondément anti-religieux, hein. Donc c'est ce paradoxe. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais. Les longs couloirs nous effraient. Vas-y là, il a pas plus de 100 ans. Voilà, on filme le feu de la rose impossible. Le feu perpétuel, parce qu'il brûle depuis hier. Hein. Depuis hier soir, ouais. Depuis hier soir, 10h. Ouais. C'est une souche, Ouais, c'est une souche. Ouais. Et on a fait nos roses. Très bien. Pour matérialiser la rose impossible. Qui était hier dans la nuit, aujourd'hui dans le jour. Après la rose impossible, on fera la rose 2 possible. Deux fois, quoi. Deux fois. Après le bouquet de roses, l'impossible bouquet.